Je m'appelle Olivia Gay, je suis photographe et j'habite dans le Perche, dans l'Orne. Nous sommes au lycée agricole et agroalimentaire d'Yvetot, dans le pays de Caux. Nous sommes là parce qu'aujourd'hui, nous inaugurons l'exposition Mémoire vive, qui est en fait la restitution de la résidence et des ateliers qui ont été menés en janvier de cette année. Le travail que j'ai fait ici en résidence, il y a deux chapitres. Il y a un chapitre plus lié au monde agricole, qui est avec le point de départ d'une photographie des jeunes dans un champ. Ils sont déployés comme ça dans la largeur du paysage et c'est assez beau. Ils sont tous très naturels. Je photographie aussi les jeunes qui s'occupent des brebis. Puis une nature morte dans la serre. La transmission, pour qu'elle soit intéressante pour eux, il faut que ça ait un lien avec leur univers. Parallèlement à ça, comme je m'intéresse beaucoup à la question du travail, et notamment du travail des femmes, qu'on voit peu ou qu'on ne regarde pas, j'ai appris qu'il y avait 17 agents d'entretien, et donc les 17 agents d'entretien sont des femmes. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de photographier ces femmes dans l'exercice de leur travail d'entretien.